Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, nous sommes le mardi 8 janvier. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2019. Beaucoup de bonheur, la santé, des sous si possible pour être tranquille. J'ai pas filmé depuis plusieurs jours, je pense que vous avez compris pourquoi. Puisque ma fausse couche a eu lieu donc il y a quelques jours seulement. C'était vendredi matin, donc ça a été un week-end très compliqué. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, même hier déjà, ça allait beaucoup mieux, ce qui m'a permis de ranger tout mon bureau, puisqu'il était devenu clairement impraticable. Je commence à tout faire tomber. Donc, il était devenu complètement impraticable, même là, côté bureau, c'est nickel, donc je suis très contente. Et du coup, je vais commencer cette nouvelle année avec un haul et ensuite je commencerai donc un vlog de semaine puisque je vais reprendre les vlogs de semaine comme je faisais donc l'année dernière. Donc tout d'abord, chez Carrefour, en fait, j'ai craqué pour l'album Mickey comme ceci pour les 90 ans. Il est à 7,90 € et en fait, dans chaque paquet, enfin dans chaque boîte, vous savez, de stickers, vous avez 10 paquets de stickers. Dedans, vous avez 5 autocollants et une carte en fait à collectionner. Donc j'ai déjà pas mal avancé. Et voilà, donc je suis très contente. Et à l'intérieur, vous avez justement les fameux espaces en fait pour mettre des cartes. Et vous avez donc Mickey toute l'évolution. Et je le trouve vraiment sympa. Il est vraiment très très épais. Donc en plus, il y a une bande dessinée et tout à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai craqué pour ça. Et ensuite chez Carrefour, il y a plusieurs jours de ça, en fait, ils mettaient les crackers qu'ils avaient fait pour Noël de la marque Bourjois à moins 50%. Donc au lieu d'être à 20 €, ils passaient à 10 €. Il y avait trois colorés au choix de mémoire. Il y avait un nude, un rouge et celui-là, le cherry. Donc moi, j'ai pris cerise. Donc, je vais vous l'ouvrir. J'ai déjà ouvert hein, pour regarder ce qu'il y avait dedans. Donc les crackers, c'est toujours sympa. Et voilà, autant 20 € je l'aurais pas pris, mais à 10 € c'est vraiment cool. Et dedans vous avez un blush, un rouge à lèvres. Bien sûr, j'ai ouvert d'un côté. Et là, je me suis trompée de côté. Donc je vous disais un blush, un rouge à lèvres et un vernis. Donc, je vais sortir tout ça. Hop. Donc le blush se présente comme ceci. Et la teinte, c'est cendre de rose brune. Donc voilà, c'est les petits blushs qu'on a quasiment toutes eues. Il est vraiment très très joli, donc j'aime beaucoup beaucoup. Je pense que je vais glisser ça dans ma trousse maquillage que j'emmène partout au boulot. En plus, il y a un petit pinceau, donc c'est très pratique. Le vernis est vraiment très joli, c'est en cerise comme ceci. Et pour finir, le rouge à lèvres, il est où? Je vais tout tomber. On va y arriver. Donc c'est Rouge Velvet The Lipstick et la teinte je pense c'est The Cherry ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est la teinte numéro 10, je sais pas si vous allez voir mais c'est la teinte 10. Et par contre à ouvrir, ouais je l'avais trouvé un peu dur. Et il se présente comme ceci, donc je vais vous faire un swatch. Voilà, donc c'est vraiment un cerise quoi. Il est vraiment très très chouette, il est assez crémeux donc je pense qu'il sera pas trop trop asséchant. En tout cas, je l'espère. Hop. Ensuite, donc, je suis passée chez Primark. Et chez Primark, d'abord, j'ai craqué pour ce duo de... Vous savez, ils appellent ça des titres. Ouais, je vous en ai déjà parlé. Moi, j'utilise ça, en fait, dans la salle de bain, en fait, pour essuyer nos mains. Et donc, vous avez donc ce modèle-ci gris, comme ça, avec des dorures et Mickey. Et un modèle comme ça, un peu plus marbré. Donc, c'est 6 € les deux séries. Donc, je trouve ça raisonnable et je les trouve vraiment très, très belles. Donc, ça, c'était il y a plusieurs jours de ça, c'était le 2 janvier, j'avais été avec les garçons. Et là, hier, on y est passé avec Lies, en fait, et j'ai craqué pour ce pyjama Batman, comme ceci. Donc, avec le bas et le haut, avec tout plein de dorures, comme ceci. Par contre, quand je l'ai vu passer sur le groupe, je pensais que c'était un pyjama en pilou-pilou, et pas du tout, c'est du tissu. Et donc, il était à 13 €, donc je suis très contente, il est très joli, comme je vous l'ai déjà dit. Nous, ici, on aime beaucoup, beaucoup Batman. Ensuite avec Lies on a craqué pour ce panier de rangement en fait Batman. Donc il semble pas très très grand. Donc on va voir, attendez je vais l'ouvrir comme ça ce sera fait. Il était à 8 €. Et on s'est dit peut-être pour mettre du linge éventuellement. Niveau protection. Hop. Ouais non il est peut-être pas assez grand. Peut-être juste pour mettre des plaids ou des coussins le soir. Quoique.
Quoique. Quoique, quoique. Hop, je vais y arriver. Ouais, non, quoique, il est assez profond finalement. Donc voilà, très très chouette, ou mettre éventuellement dans la chambre des garçons. Vraiment très sympa, donc voilà. Et une belle contenance quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour ce duo de culottes, donc 7 euros les deux. Donc une rayée comme ceci avec zip et une rose. Voilà. Et la deuxième, elle est couleur bordeaux comme ceci avec le château, Mrs. Samovar, zip, rose, enfin la rose et tout. Vraiment très très cool. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai repris encore un mug, mais j'ai trouvé très joli comme ça, marbré. Donc avec deux dorures et tout, il est vraiment très très chouette. Et lui, il était donc à 7 euros. Mettre ça là. Ensuite, j'ai pris aussi un paquet de coton parce que j'avais plus de coton pour me démaquiller. Donc 2 euros les 100 disques. Donc je me suis dit que c'était assez intéressant. Puis comme on y était, on en a profité. Et pour finir, les trois derniers articles. Donc j'ai pris ce petit boxer comme ceci à 3 euros. Donc voilà, avec comment ça s'appelle? Un espèce d'arc-en-ciel Mickey et des Mickey comme ça sur les fesses. Donc très cool. Et ensuite en promo, il y avait des faux ongles. Donc j'ai repris des jasmines comme ceci à 2 euros au lieu de 4,50 €. Et ceci, j'ai eu trop de chance que c'était la dernière boîte et je savais qu'ils allaient passer à 2 euros. Puisque je l'avais vu passer sur le groupe Primark, les trouvailles Val d'Europe là. Donc du coup, même s'il n'était pas floqué à 2 euros, je l'ai quand même pris. J'ai bien fait, il est bien passé à 2 euros. Et le bon plan chez Primark, c'est qu'en fait, donc pour tout ce que je vous ai montré, j'en avais pour 44 euros. Il me restait une carte cadeau de Noël de 11,50 €. Donc je lui donne la carte cadeau. J'étais au téléphone en même temps avec ma soeur. Elias était en train de récupérer les trucs. Et là, je lui demande bah, combien je vous dois. Elle me dit 11,50 €. Ok. Alors qu'en réalité, je devais lui donner 32,50 €. Donc j'ai envie de vous dire, moi ça me va très très bien. Au début, j'ai pas percuté tout de suite, on s'éloignant de quelques mètres, j'ai dit Alias, c'est bizarre qu'on ait payé si peu cher parce que 11,50 plus 11,50, enfin ça n'est pas 44 quoi. Et franchement, trop cool. C'était le bon plan, c'était la journée des moins 50%. Puisqu'on est aussi passé chez Auchan et il y avait encore des pops à moins 50%. Donc Lies on a pris une pour Johan mais je sais plus ce que c'est. Il a pris aussi un porte-clés Dragon Ball Z pour Johan mais je peux pas vous montrer ce qu'il est parti avec. Lies s'est pris un porte-clés Deadpool à moins 50% et pour Kisha lui a pris la pop comme ceci donc à moins 50%. Donc très cool en ce moment chez Auchan, je sais pas pourquoi ils font plein de pops comme ça. Après solder, je vous en parle parce que si vous avez des enfants, ça peut être intéressant. Bon, j'ai dû aller vider la mémoire qui était déjà bien pleine. Ensuite, de la marque Arbo Santé, j'ai reçu des petites gélules comme ceci en fait. Donc c'est de la phytothérapie. Donc la phytothérapie en général, c'est très très efficace. Donc c'est pour, enfin c'est marqué contient du Phytis vinifera, pardon, contribuant au bien-être des jambes et aidant à tonifier le système veineux. Donc il faut savoir que moi j'ai un système veineux qui n'est pas terrible, j'ai souvent une sensation de jambes lourdes, j'ai souvent en fait ouais, des jambes qui gonflent un peu, donc je me suis dit que ça serait plutôt cool. Donc à l'intérieur vous avez 60 gélules et ce que je trouve vraiment top en fait c'est que c'est deux gélules à prendre le matin, donc avant le repas avec un grand verre d'eau, ils disent voilà deux gélules avant chacun des trois repas quotidiens avec un verre d'eau pendant 10 jours. Et ce que j'aime bien c'est le fait que ça soit sur une durée assez courte parce que souvent quand c'est trop long et eh ben on a tendance à oublier et puis ben, du coup on va pas jusqu'au bout de bah, du bénéfice en fait des gélules. Donc là au moins 10 jours ce sera parfait. Donc je vais commencer ça à partir de demain, je vous en reparle très très rapidement. Et en plus avec les derniers événements de ma vie, je pense que voilà, relancer un peu le système sanguin, veineux, activer tout ça, je pense que ça va me faire énormément de bien. Donc les gélules en plus sont pas très très grosses, ça va encore. Enfin voilà, c'est pas, vous voyez, c'est pas hyper dur à avaler, parce que des fois des gélules, c'est juste pas possible. Et voilà, donc ça très très cool. Donc je suis vraiment très contente de pouvoir tester et la marque et ces gélules. Parce que comme je vous le dis, je pense que ça va me faire le plus grand bien au niveau de mes jambes.
Ensuite, nous sommes passés donc chez Action. Il y a des trucs qu'on a déjà rangés, notamment on a repris une petite poubelle pour la salle de bain avec, vous savez, des sacs 30 litres, la petite poubelle couleur inox. J'ai repris des draps comme ceci parce que moi j'en avais déjà pris et ils sont vraiment bien. Donc j'ai pris un espèce de gris comme ça, un peu foncé. Et ils sont en ce moment à 4 euros si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc j'en ai pris deux de la même couleur. Comme ça, nous en aurons d'avance parce que souvent, ce qui nous manque, c'est les draps que j'en ai jeté pas mal. Et il faut que je rachète aussi des thés de traversin. Mais je crois que j'en avais commandé la fois chez Tati, donc il faut que je vérifie ça. Ensuite, j'ai trouvé ces cartes en bois que j'ai trouvé magnifiques. Et je pense que je vais en utiliser une pour écrire un petit mot à Lies qui est actuellement en train de jouer à la PS4. Puisqu'il y a marqué « I love you to the moon and back ». Et voilà quoi. Et voilà, je pense que ça reflète plutôt bien la chose. Donc je pense que je vais en garder une, soit pour les jours à venir, soit peut-être pour la Saint-Valentin, je vais voir ça. Voilà, parce que Lies a vraiment, vraiment, vraiment assuré ce week-end. Je sais pas comment il a fait, parce que moi, en gros, j'ai fait un malaise en plus, donc ça lui a fait très très peur. Mais j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital, mais pour autant, j'ai fermé les yeux quasiment tout le temps, il gérait tout en fait, donc... Vraiment, il a le cœur bien accroché. Bref, on revient à Action. Donc pour mon petit Sohan, en fait, je lui ai pris cette mallette de docteur puisque pour Noël, en fait, il a eu de la part d'une de mes soeurs une petite mallette avec le dentiste et il adore jouer avec ça. Et la fois, il voulait jouer au docteur et je suis tombée là-dessus chez Action à 5,95€. Donc je pense que voilà, il va être très très content de découvrir ça vendredi quand il va revenir à la maison. Il y avait d'autres choses. On a pris notamment des ampoules pour la voiture de ma soeur, des choses comme ça, mais bon, pas très intéressantes. Et ensuite, je suis passée chez Lush. Puisque quand nous y sommes passés hier, enfin la braderie Lush a commencé. Donc tout ce que j'ai pris était à moins 50%. Donc j'en ai eu au total pour 35€, je crois. Total 35,29€, donc au lieu de 70€. Donc autant vous dire que je suis très contente. Je vais essayer de les ouvrir sans faire bêtises. Donc j'ai pris Butterbeer. Donc, vous savez, c'est les petits oursons blancs qui sont juste trop trop bons. Donc après, je ne vais pas vous faire le détail des prix, même si je l'aime. En gros, les boules de bain et les pains chez Lush, c'est aux alentours des 6€. Donc, c'est abusé. Donc moi, généralement, je profite, bah, comme vous l'avez dit, de la braderie d'après Noël, là. Donc voilà, donc celui-ci, que j'avais déjà eu par le passé, qu'on aime beaucoup, beaucoup. Burbier, je crois que j'en ai pris plusieurs, d'ailleurs. J'en ai pris un autre là. Je crois que j'en ai pris trois. J'en ai pris trois comme ceci. Ensuite, ça c'est le Snow Fairy Cold Press. Ah oui, c'est le savon en fait qui a l'odeur du Snow Fairy. Alors, il y avait le gel douche Snow Fairy soldé à moins 50%, mais je sais pas, gel douche ne me tentait pas particulièrement. Par contre, ce petit savon, beaucoup plus déjà. Ils sont trop trop bons, le bonbon avec une étoile comme ceci. Donc, j'ai pris ceci. Franchement, si vous voulez des produits Lush, c'est le moment. Parce que sinon, en dehors de ça, je dis à Lies, franchement, c'est pas donné. Ça, c'est Snow Fairy Sparkle Jar. Je ne me souviens plus. Je me demande si c'est pas la barre de massage. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, pour qu'on se fasse des petits massages et qu'on sente le bonbon, donc en étoile comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ici, là? Alors en plus, en sachant que dans les 35€ que j'ai payé, il y a un cadeau en fait pour l'une de mes voisines, donc à 10€ au lieu de 20. Donc en gros, pour 25€, c'est toutes mes pommes, enfin mes trucs de bain là, tout ça, c'est j'en ai pour entre guillemets que 25€. Cherry Christmas, donc ça, je crois que c'est une étoile, il me semble. Je me souviens plus. De toute façon, je vais aller mettre ça dans la salle de bain après, je voulais vous les montrer avant. Ah, ouais. Pas vraiment une étoile, mais c'est un peu forme, voilà, comme ceci. Rose fluo. Ça sent le bonbon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une grosse boule comme ceci, Jelly Bomb. Donc, qui est la Snow Fairy Jelly Bomb. Ah, c'est une grosse boule de vin, je pense qu'on pourra la casser en deux sans problème. Je ne sais pas faire un miracle. Voilà, vous voyez, celle-ci est vraiment très très grosse.
Pareil, j'ai pris que des odeurs très bonbons, très gourmandes. Ça permet de la poudre partout. Alors que j'ai passé l'aspire dans mon bureau. Et pour finir, j'ai pris Shot for the Stars. Je crois qu'elle est blanche celle-ci. Je crois que celles-ci, elles sont un peu le caramel. Donc après, je pense que demain, j'y retournerai peut-être pour reprendre 2-3 trucs. Parce que c'est vraiment le moment de faire le plein, même si bon, notre truc à bain est bien blindé. Je disais, ah, oh, elles sont trop bonnes. Ouais, celle-ci, c'est le caramel. Celle-ci, je pense que je vais en reprendre demain s'il en reste. Allez, c'est vraiment caramel. Donc, oui, pour 25 euros, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 25 euros les 8 produits, autant vous dire que je suis très contente parce que sinon, comme je vous le disais, chez Lush, c'était pas donné. Puisque je vous expliquais en fait que dans les 35 euros, il y avait ceux-ci qui normalement étaient à 17,95 €. Et donc on a eu à 9 euros. Enfin, 9 euros quelque chose. En fait, donc à moins 50%, on a pris ça pour notre petite voisine d'en face, puisqu'il y a quelques jours de ça, en fait, on faisait des allers-retours, voiture, garage et compagnie, et on a dû oublier l'ordinateur de Liesse sur le muret, je pense, en bas de l'appartement. Impossible d'en mettre la main sur l'ordinateur. On est parti dans son appartement, on a cherché partout, impossible de foutre la main dessus. On s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on en a foutu? Et finalement, on a reçu un mail, en fait, en nous disant, bah voilà, je pense que j'ai retrouvé votre ordinateur. Et j'ai fait le rapprochement entre le prénom, enfin, j'en ai parlé avec Chia, je dis, tiens, le prénom Justine, ça te dit pas quelque chose? Et elle me dit, si, bah, la voisine d'en face s'appelle Justine. Et comme il y avait le nom de famille sur l'adresse mail, j'étais vérifiée en bas, et c'était bien elle, donc du coup, on voulait la remercier. Et dans ce petit coffret, il y a un gel douche Cinder, donc invitez la magie dans votre douche avec l'huile de graines de citrouille nourrissante à l'aloe vera. Et il y a une bombe de bain perle de sel, bienfait sel marin, avec une eau bleue comme l'océan. Voilà. Donc, je pense qu'elle va être très contente. Et voilà, ça fait un joli petit cadeau. Et je pense que pour ses parents, on va prendre une boîte de chocolat et on ira lui déposer tout ceci ce soir. Donc, comme je vous disais, demain les soldes commencent. Je suis pas sûre de vraiment, vraiment faire les soldes puisque j'aimerais beaucoup, en fait, là dans les semaines à venir. M'offrir en fait le même appareil photo caméra notamment que Mélanie de la chaîne Happy Together a puisqu'il a l'air vraiment très pratique pour faire des vlogs et compagnie. Ça clignote, ça me bouffe, enfin ça me coupe. Du coup, ben, il est quand même aux alentours des 500 euros, donc je vais réfléchir, mais néanmoins je pense que je refais un petit passage chez Lush. Donc j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Je vous renouvelle donc tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Je vais essayer de monter cette vidéo assez rapidement de façon à ce que vous l'ayez en ligne rapidement, notamment pour les produits Lush si vous souhaitez en bénéficier. Et on se retrouve très très vite dans un vlog de semaine. Je vous embrasse, ciao!